Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce point making made in Canada. Je suis donc accompagné de Xavio pour cette occasion. Salut. Histoire de vous remettre directement dans le bain, c'est parti pour le sommaire. Alors aujourd'hui on commence par notre éternelle rubrique Les Petits Nouveaux. Nous enchaînons avec le nouvel épisode d'un RPG sans nom. Puis nous laisserons Ice Monkey interviewer un Québécois sur RPG Maker 2003 qui n'est d'autre que CC Détoff. Avant de commencer, je tiens à annoncer que jusqu'en septembre, soit de la fin des vacances scolaires, il n'y aura qu'un seul épisode par mois car nous ne pourrons pas assurer autant d'épisodes à cause de nos emplois du temps respectifs. Nous entamons donc notre rubrique Les Petits Nouveaux avec Super Mario Gravity, réalisé sous Multimedia Fusion 2. Un logiciel que nous ne maîtrisons pas suffisamment pour en parler clairement, mais en gros c'est juste un logiciel permettant de faire facilement des jeux de plateforme dans le style de Mario par exemple. À l'origine, le jeu s'appelait Super Mario Bros. 4, mais dû au changement du concept principal, soit l'inversement de la gravité, il a été renommé Super Mario Gravity. Il nous est donc réalisé par la team Left Project, composée de 6 bons makers francophones. Mais aucun Canadien à notre connaissance. Ouais. Pour parler un peu du jeu, nous n'avons pu disposer que d'une démo de 3 niveaux, mais lui faisant bien honneur. Même si on reste dans un bon vieux Mario, sauter, ramasser des champignons, etc., on prend beaucoup de plaisir à parcourir les niveaux. Le nouveau concept implanté dans le jeu n'est autre qu'une jauge de gravité qui se remplit petit à petit et qui, au bon moment, vous permet d'inverser la gravité et de courir gaiement sur le plafond. Il y a évidemment d'autres points du gameplay assez intéressants, comme des cutscenes, mais ça reste assez discret pour le moment. Pour le scénario, c'est assez basique, mais c'est un peu ce qu'on attend d'un Mario. Donc pour conclure, c'est un Mario-like qui réussit son pari, en restant fidèle au jeu d'origine, tout en apportant un petit plus. Ne passez donc pas à côté de ce superbe projet. Avant de laisser notre place à notre interview, voici un autre jeu réalisé par un Caribou. Oui, même deux je dirais, puisqu'il s'agit de Hypnodisc et KO64. Vous l'aurez alors compris, nous allons parler d'un RPG sans nom. Cette longue série de désormais 6 épisodes participe aux Alex d'Or pour la 3ème fois. Les 4 premiers épisodes avaient effectivement participé à la session de 2008, puis s'étaient représentés à la session de 2009 avec cette fois un opus supplémentaire. Depuis, nous n'avions pas réellement de nouvelles de cette série retraçant des grands jeux vidéo. L'épisode 6 n'échappe donc pas à la règle et se déroule dans le monde de Pokémon. D'ailleurs, on profite d'un réel projet Pokémon avec un système de combat et des graphismes plutôt similaires à l'original. Tout de même bien saupoudré d'humour. Avant de parler de cet épisode 6, nous tenons à préciser que tous les épisodes sont réalisés sur RPG Maker 2003. Et à vous faire remarquer que depuis 2007, cette série perdure. Un énorme bravo et tous nos encouragements pour la suite. Et bonne chance pour les Alex d'Or 2012. Bien entendu. Dans ce nouvel épisode, nous allons donc contrôler les grands puffins, que nous aurons l'honneur de renommer comme le bon nous semble. De fil en aiguille, il va vouloir chercher à devenir maître Pokémon. Original, non? Ouais, enfin bref, c'est à coup de bugs et de tricheries qui va malmener son petit monde pour notre plus grand plaisir. Un très bon divertissement si vous aimez ce genre d'humour. Seul bémol se trouve peut-être dans le système de combat Pokémon-like qui fonctionne un peu bizarrement. Oui, on ne peut parfois pas accéder au dernier membre de l'équipe et on ne comprend pas trop l'utilité du grand pauvre. Enfin, tout ça reste un détail, laissons donc ça de côté. Ouais. Salut à tous, ceci est l'interview du Point Making. À la base, c'est Ice Monkey qui devait s'en charger, mais enfin, il a eu un petit problème technique lui empêchant de remplir ce rôle, donc c'est moi, TTT, qui vais prendre sa place. L'invité mystère du jour, je lève le voile, sera CCD. CCD, es-tu là? Je t'invoque. Je suis là. Très bien, donc t'es ici pour qu'on parle de tes projets RPG Maker, on est bien d'accord? D'accord, ouais, je suis d'accord. Donc plus spécifiquement, de ton projet Frost House. On est toujours d'accord? Toujours d'accord. Parfait, bah écoute, on va pouvoir commencer. Donc première question que l'ensemble du public doit se poser. Depuis quand tu makes? Ça fait environ 8 ans. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, maintenant j'ai 24 ans. Je crois que c'était en automne, en début de l'année scolaire. C'était un ami à l'école qui m'avait parlé d'un logiciel qui s'appelait RPG Maker. Et comme depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. J'ai toujours imaginé des concepts de jeux, d'histoires, de personnages que j'ai cherché sur Internet ce logiciel. Je l'ai téléchargé et j'ai essayé et au fur et à mesure, j'ai beaucoup accroché. Et maintenant, vous avez le maker que vous connaissez aujourd'hui, qui a fait plusieurs projets. En gros, c'est ça. Très bien. Donc, ton projet, Frost House, s'est fait sous RPG Maker 2003. Mm-hmm. Comme d'ailleurs l'ensemble de tes projets, pourquoi est-ce que tu as commencé sur 2003? Parce que j'imagine qu'il y a 8 ans, c'était la dernière version de RPG Maker. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a 8 ans, effectivement, RPG Maker VX et VX.ACE n'existaient pas. Par contre, RPG Maker XP existait déjà, je crois, mais j'avais un vieil ordinateur et il ne fonctionnait pas. Donc, je devais me limiter à 2000 ou à 2003. En fait, le premier que j'ai testé, c'était 2000, mais j'aimais pas les combats où on voyait pas les personnages et tout. Et en recherchant d'autres versions, j'ai tombé sur 2003.
où on voyait les personnages, on voyait les combats de vue comme dans Final Fantasy. Et donc, c'est pour ça que ça m'a plu. Et j'ai commencé à faire des projets un peu plus sérieux sur 2003. Et je dois dire que même en ayant essayé VX ou XP, je suis tellement habitué de faire des projets sur 2003 à la mécanique du logiciel, à l'ambiance, au graphisme, que je suis tout simplement pas capable de changer de support pour créer mes jeux. Je suis vraiment habitué, en fait. Ton projet Frosthouse, l'idée et le concept et le contexte dans lequel il a été créé, ça vient d'où exactement tout ça? En fait, ce qui me motivait à créer ce jeu, c'était parce que sur un forum, il y avait un petit concours de Noël. Puis, j'étais derrière mon ordinateur, je réfléchissais à des concepts. Donc, à la base, c'était un concours de Noël. Qui dit Noël, il dit histoire joyeuse, Père Noël, hiver et tout. Et j'essayais de trouver une idée originale qui pouvait peut-être me donner des chances de gagner le concours. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une histoire plus sombre, plus triste. Ça pourrait varier, puis j'ai toujours aimé les ambiances de paranormal, manoir hanté. Donc je me suis lancé dans ce projet, et il y a quand même eu un bon succès justement, parce qu'il y avait un concept assez différent, quoi. On a pu remarquer que ce projet a eu quand même un franc succès. Enfin, je trouve qu'il a assez vite décollé. Que comment t'expliques ça? Que du gameplay, du titre qui diffère de ce à quoi on pouvait s'attendre dans le contexte de Noël ou de l'ambiance ou quoi que ce soit? Je pense que le titre d'un jeu a souvent tendance à attirer souvent quelques joueurs. Moi, franchement, quand je regarde les titres des jeux sur une section sur un forum, j'ai souvent tendance à aller cliquer sur les titres qui m'inspirent le plus. Donc, je pense que ça a quand même son influence, parce que je trouve que Frosthouse, ça accroche beaucoup. Mais je pense aussi que, vu le concours et vu quelques-uns de mes amis sur les forums qui ont testé le jeu et qui ont aimé, l'ont probablement conseillé à d'autres makers, et le jeu a quand même eu un bon succès grâce au bouche à oreille. Ouais, en quelque sorte. Je pense aussi que le gameplay a plu parce que c'était une exploration d'un manoir hanté. Les pièces, selon ce qu'on me disait, avaient une bonne ambiance. L'histoire évoluait plutôt bien. On me disait beaucoup de commentaires que c'était assez gore et tout, puis que les gens aimaient bien. L'histoire avance assez bien. On m'a aussi beaucoup fait de remarques positives sur l'ambiance des pièces, la structure du manoir qui est vraiment intéressante à explorer. Je pense que j'aurais deux points à rajouter. C'est d'une part un truc tout con auquel personne n'aurait jamais pensé, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux tant professionnels qu'amateurs. C'est déjà le fait que le personnage principal, c'est une fille, on est bien d'accord. C'est vrai que c'est plutôt rare que le personnage ait une fille. Donc ça, c'est le premier point, excuse-moi de te couper. Et le second point, je trouve, c'est quelque chose que pareil, on n'a pas l'habitude de voir. C'est un jeu qui est fait sous Warhammer 2003, et pourtant les combats, enfin si on veut parler de combats, c'est non pas du tour par tour en type SBS, mais ça se rapproche plus du ARPG. Je dirais plus ou moins, en fait, parce que le personnage n'a aucun moyen de se défendre, donc vraiment esquiver les ennemis le plus possible, sinon le personnage finit par mourir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas aucune trace du système de combat de RPG Maker 2003 dans le jeu. Bon, je pense que le fait que ton jeu diffère des autres vis-à-vis du gameplay a quand même pas mal contribué à son succès. Ouais, je pense que ça a intéressé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de makers ou de joueurs qui cherchent des choses différentes qu'on voit d'habitude sur RPG Maker. Donc justement, ce projet qui est assez novateur, je pense qu'on peut toucher un petit mot de tes autres projets dont on a beaucoup moins connaissance du fait qu'ils étaient moins relatés, mais si t'avais un mot à dire sur tes projets terminés ou à venir, est-ce que tu peux nous présenter vaguement tes projets passés, présents et futurs? Bah, pour commencer, je vais vous parler de mon tout premier projet sérieux, je devrais dire, qui se nomme Fire Knight Legend Anthology. En fait, ce jeu, il n'est pas encore terminé parce que je l'adapte toujours au niveau de mes projets actuels, mais en fait, il devrait bientôt être terminé. Mais le premier jeu que j'ai vraiment terminé, il se nomme Race and Race Deluxe. C'est un petit jeu de course avec justement un autre concept assez unique pour RPG Maker. Ensuite, j'ai enchaîné avec Valor Adventure de Attack of Santa. Ensuite, il y a eu Frosthouse. Puis le tout dernier jeu que j'ai terminé se nomme Valor Adventure The Strange Story of Joey. Ça, c'est dans ce que j'ai terminé. Il y a de mes jeux en cours qui sont en progression. J'ai un autre projet qui se rapproche beaucoup de Frosthouse, qui est en fait une suite indirecte, qui se nomme Road of Darkness. C'est un jeu qui se passe à peu près dans le même univers, mais un peu plus tard. Ensuite, pour un autre projet que je viens tout juste de sortir une démo d'ailleurs, qui se nomme Fallen Heroes, où vous incarnez Ghosty, un personnage qui est en fait ressuscité des morts et qui a une quête à accomplir. Ok, bah écoute, je pense qu'on a bien cerné le pourquoi du comment et un petit peu le personnel. Bah, je te remercie de nous avoir accordé ce temps durant l'interview. Ça fait extrêmement plaisir et je suis vraiment content que vous ayez pensé à moi pour m'interviewer. Bah écoute, le plaisir est partagé et réciproque. Voilà, ciao. Au revoir.